J'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va nickel. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu au titre, achat de manga et bilan lecture du mois. Donc achat de manga, j'en ai déjà fait une au mois de mai, je vais en avoir d'autres puisque c'est mon anniversaire dans 2 jours, donc voilà. Et avant que la vidéo ne commence, abonne-toi, lâche un like, commente, et bah c'est parti pour mon premier bilan lecture. Premier, vous l'avez deviné, Death Note. À l'envers, nickel. Alors, le tome 1 et 2. Alors, le tome 1, j'avais bien aimé, mais sans plus. Et le tome 2, j'ai accroché, j'ai ultra accroché, donc je vais forcément m'acheter la suite. Voilà, je vais vous montrer quelques planches. Attention, spoil, peut-être. Les dessins, ils sont magnifiques, hein. C'est du Takeshi Obata. Voilà, c'est vraiment magnifique. Donc, je vous conseille vraiment ce manga. Donc, alors, je vais vous raconter un peu. Je suis pas très fort pour faire des résumés, mais on va quand même essayer. Alors, il y a ce garçon, un jour, qui va trouver un livre qui va tomber du ciel. Et dans ce livre, dès qu'on écrit les prénoms des gens, quand on a vu sa tête, et bah, les gens, ils meurent. Donc, il va s'en servir pour tuer bah, ceux qu'on fait des. Ceux qu'on. Les criminels, ceux qu'on fait des crimes. Sauf que bah, du coup, la police va essayer de le trouver parce qu'il tue plein de gens. Donc, c'est lui-même un criminel. Enfin, voilà. Donc, Death Note, je vous conseille énormément ce manga. Hein. Donc, par Takeshi Obata et Tsugumi Ohba. Voilà, je vous conseille vraiment ce manga. Alors, prochain manga. Les 4 premiers tomes de Bleach. Alors, je vous montre un peu les couvertures. Tac, 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 et tac. Les couvertures, elles sont basiques. C'est du Glénat. Je trouve que les Glénat sont pas forcément ultra stylées, les jaquettes, par rapport à. Oh, si on regarde par rapport à Death Note, il y a quand même vraiment une différence de beauté entre les jaquettes. Alors, Bleach, j'en entends tellement du bien. Donc, j'ai vraiment été. C'est bien, mais j'ai été un peu dégoûté. Enfin, je pensais que ça allait être beaucoup mieux que ça. Mais après, vraiment, c'est bien. Je m'achèterai peut-être la suite si je vois des bonnes offres en occasion. Donc, là, c'était à 3 €. Je les ai achetés les 4, 3 €. Donc, vraiment, ça valait énormément le coup. Ils sont neufs. Un peu de page jaunie. Voilà, mais ça me dérange pas trop trop. Donc Bleach, je vous conseille, mais voilà, c'est bien. Alors je vais vous montrer quelques planches. Les planches avant sont vraiment stylées. Voilà. Les dessins sont beaux. Voilà. C'est parti de Kubo. Donc je vous conseille ce manga, mais voilà. Alors c'est l'histoire de. Faut que je me souvienne parce que ça fait longtemps que je les ai lus. Lui. Et ben un jour sa famille va être attaquée. Il y a cette fille qui va arriver pour essayer de les sauver, sauf qu'elle va être battue. Je crois, hein, c'est un peu comme ça, désolé si je me trompe un peu, mais c'est à peu près comme ça. Donc cette fille va être battue, et lui, il va devoir. Elle doit devoir enfoncer une épée dans lui. Genre, voilà. Les explications, couillères. Donc voilà, pour que lui, eh ben, il prenne les pouvoirs d'elle, puisque elle, c'est une Shinigami. Donc lui, il va devenir un Shinigami, et il devra tuer tous les. Comment on appelle ça déjà? J'ai un gros trou de mémoire. Oh là là, j'ai un peu. Bon, bref, les personnes méchantes, quoi. Les bêtes, on va dire. Qui ressemblent à ça, là. On voit un petit peu. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un gros trou de mémoire. Voilà, les trucs comme ça. Donc, franchement, bah, je vous conseille ce manga. Il est vraiment bien. Donc, les 4 premiers tomes de Bleach. Non, les trois premiers sont à 3 €, mais moi j'ai eu les 4 premiers à 3 €, donc bah voilà, on va pas s'en plaindre. Alors, après, j'ai acheté. Donc j'avais des trous dans ma série, j'ai jusqu'au 44 et j'ai 74 et 82. Donc voilà, j'avais quelques trous. Donc bah du coup, j'ai complété. Hein. One Piece, mon manga favori, hein, vraiment. Tout dire sur ce manga, à part qu'il est génial, bah rien. Il est génial, tout simplement. Donc je vous conseille vraiment. Après, il y a beaucoup de tomes, donc. En plus, je les ai tous achetés en neuf, donc ça fait vraiment mal au porte-monnaie. Mais franchement, pour la qualité de ce manga, je vous conseille énormément. Je vais vous montrer quelques planches. Voilà, les dessins sont beaux aussi, l'histoire est magnifique. Ça tombe. Donc, jaquette aussi, bah, c'est du Glénat. Donc, Glénat, j'aime pas trop les jaquettes. Hein. Enfin, je les aime bien, mais c'est pas sublime, on va dire. Donc voilà, je vous conseille par rapport à déjà quelques que je vais vous montrer, vous allez voir. Donc voilà, One Piece. Donc alors, enfin du coup c'est un achat, donc je vais pas faire de résumé, mais en gros c'est l'histoire de Luffy, lui. Et bah, il veut devenir roi des pirates et trouver le trésor, le grand trésor de One Piece.
Donc, et bah voilà, on va suivre ses aventures, il va se créer un équipage, et vraiment génial, génial, génial ce manga. Génial ce manga. Après, c'est par Eiichiro Oda. Après, Assassination Classroom, le tome 1. Donc, j'ai vu l'animé, génial, le manga, les dessins sont extrêmement différents, je vous montre quelques planches, mais ça va. Mais par rapport à l'animé, les personnages ne sont pas du tout, du tout pareils. Voilà, j'ai pas trop montré, sinon c'est du spoil. Alors, c'est l'histoire de. Il y a une personne qui est lui, enfin, il s'appelle Professeur Kuro, qui a explosé la Lune, qui a détruit la Lune. Il reste un tout petit bout. Et du coup, bah, il dit, quand il arrive sur Terre, désolé, je suis l'heure des miens. Quand il arrive sur Terre, il dit, je veux être nommé professeur, sinon je vais détruire la Terre. Donc en vrai, il va être nommé professeur et ses élèves, ils vont devoir essayer de le tuer. Vraiment génial ce manga, la fin m'a beaucoup déçu, mais voilà. C'est par Yusei Matsui. Allez. Assassination Classroom, je vous recommande fortement. Radiant. Alors, par 48 heures BD, si vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de jaquette, mais ça coûte 2 euros. Bon, ça me dérange pas trop parce que je vais pas prendre la suite. Il y a des petites couleurs au début, je vous montre un peu le dessin. Les dessins sont bien, les combats sont bien, ça... mais j'approche pas trop à l'histoire. C'est un manga français par Tony Valente. Voilà, la jaquette stylée, rapport à. Enfin, stylée. Voilà. Donc, alors, c'est l'histoire de lui. Je sais plus comment il s'appelle. Parce que lui aussi, ça fait longtemps que j'ai lu. Et bah, il veut détruire tous les monstres. Ça s'appelle des. Ah, voilà, j'ai un souvenir. Dans Bleach, les monstres s'appellent les Hollows. Les Hollows, je crois. Un truc comme ça. Je suis pas sûr, hein, mais je crois. Donc, lui, c'est les. Oh, je sais plus comment il s'appelle. Ah, oui, ça, il s'appelle les Némésis. Donc, c'est des espèces de. Ça, là, comme ça, voilà. Les Némésis, c'est ça. Et bah, il tue plein de gens. Donc, lui, il veut les détruire et tout. Mais. C'est un manga, je conseille pas. Après, il y a beaucoup de gens qui pourraient animer, qui pourraient aimer l'animé sur Netflix. Je vous conseille vraiment. Enfin, pour ceux qui pourraient aimer, je conseille, mais moi perso, ça m'a pas trop plu. Assassination Classroom, pareil, c'est sur Netflix. Bleach, sur Netflix. Death Note, il y a un film, mais j'ai regardé le début, j'ai trouvé ça nul. Et voilà. Après, les trois premiers tomes de Détective Conan. Donc à 3 euros unité, c'est, j'ai vraiment kiffé. J'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Donc, je peux que vous conseiller. Donc voilà les jaquettes. Alors, donc ce manga, il parle de ce personnage qui s'appelle Shinichi, ouais, Shinichi Kubo, et bah qui veut devenir, enfin qui est un détective. Un jour, il va se faire, il va boire, enfin il va se faire rapetissière. Voilà, il va devenir tout petit et il va devoir bah, essayer de trouver du coup ceux qui l'ont rapetissé pour bah pour regrandir quoi, pour les. Donc voilà, je vous conseille ce manga, vraiment génial. Jaquette, pas ouf. Mais je vous conseille vraiment ce manga. Il est extrêmement génial. Je vous conseille vraiment ce manga. Enfin, je vais vous montrer les deux plans, je crois que je l'ai fait un peu, mais. Attention, un petit spoil. Donc j'adore, il n'y a que des enquêtes et c'est vraiment génial. Voilà. Donc, je vous conseille énormément ce manga. Après, la gros coup de cœur. Gros coup de cœur, gros coup de cœur. Kill's Game, les trois premiers tomes. Franchement, c'est génial. Regardez les jaquettes, comme elles sont magnifiques par rapport à. Elles sont sublimes, les jaquettes. Elles sont magnifiques. Par contre, c'est un seinen. Voilà, donc. Ce manga, je le conseille, mais énormément. C'est génial, génial. Pour ceux qui aiment bien les Survival Games, il est vraiment génial. Donc, j'ai eu les trois tomes à 11 euros, frais port compris sur Vinted. Donc, vraiment, une offre exceptionnelle. Hein. Ils sont neufs, hein. Il y a quasiment pas de. Ils sont quasiment neufs et tout. Donc, je suis extrêmement content de l'affaire. Alors, un résumé. C'est l'histoire de. Donc, lui, c'est le personnage principal. Un jour, dans leur classe, ils reçoivent un message d'un certain roi. Et ce roi, il leur dit que si il leur envoie tous les jours des messages, et s'ils ne le font pas, eh ben, ils vont devoir. Enfin, ils vont mourir. Donc, c'est vraiment génial. Donc, au début, bien sûr, les gens n'y croient pas. Bah, ils le font pas. Les deux premiers meurent. Donc, après, ils commencent vraiment à se douter qu'il se passe quelque chose de bizarre. Donc, c'est en 5 tomes. Ah oui, je vais vous dire à peu près combien il y a de tomes en tout. Donc, attention, les dessins, c'est un seinen, donc les dessins peuvent faire peur. Voilà. Donc, attention. Voilà, par exemple, mauvaise page. Voilà, donc ce manga, gros coup de cœur, je vous conseille vraiment, vraiment. Après, Jujutsu Kaisen. J'ai entendu tellement de bien, pareil comme Bleach. J'ai un peu été déçu. Après, pour me faire vraiment un avis, il faut que j'achète bah, les prochains tomes. Donc, ça, je l'ai acheté au prix normal, 6,80. 15 ou 90 si je dis pas de bêtises. Donc franchement bah j'ai au moins quelques dessins, j'ai été un peu déçu, mais faut vraiment que je m'achète les autres tomes pour vraiment faire un avis.
Donc c'est l'histoire de lui. Et ben un jour il y a ses copains qui vont se faire, enfin ses amis ils vont se faire manger par un, ah, je sais plus comment ça s'appelle, par un, oh là là, par une, voilà, un truc des monstres comme ça. Donc pour les sauver il faut qu'ils mangent un doigt, un doigt qui va lui donner des pouvoirs. Donc bah il va avoir des pouvoirs, il va pouvoir les sauver et du coup bah il y a des gens qui vont, je suis pas très fort en résumé, je vous l'ai dit mais je redis. Donc ce doigt il va lui donner des pouvoirs et il y a des gens du coup qui vont les recruter entre guillemets, le prendre dans leur école pour qu'ils tuent bah, tous les monstres comme ça et qu'ils retrouvent tous les doigts pour les manger. Voilà, donc j'ai été déçu, mais. Donc Kiyun, les jaquettes sont vraiment magnifiques. J'adore l'édition Kiyun. Après, les pages sont beaucoup plus épaisses que les autres, donc ça fait moins de lecture forcément. Mais franchement, Kiyun, ils font du boulot magnifique. Donc il y a 8 tonnes, alors, 8 tomes actuellement sortis, si je dis pas de bêtises. Détective Conan, on approche les 100 tomes, on doit être à 98. Assassination Classroom, il y a 21 tomes. Voilà. Radiant, je sais pas du tout. One Piece, il y en a 98 actuellement ou 99. Enfin, on approche pareil les 100, hein, c'est colossal. King's Game, il y en a 5. Après, il y a King's Game Extreme et King's Game Origin. Donc, il y en a 5 en tout. Donc, ça fait 15 mangas King's Game. Donc, magnifique, hein. Voilà. Bleach, il y a 74 tomes. Si je dis pas de bêtises. Donc, ça fait beaucoup aussi. Et Death Note, il y en a 12. Il y a un 13e. Je crois que c'est pas assez sur les. Moi, je ne compte pas l'acheter, hein. C'est sur les personnages un peu pour leur je sais pas trop quoi pour leur dire pour donner des informations en plus sur les personnages. Donc voilà, j'espère, enfin c'est déjà la fin de cette vidéo, ça m'a extrêmement plu de vous la faire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas ne oublie pas de t'abonner, lâche un like et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.